Moi content tout de l'opportunité ça pour nous ouvrir parenthèse femme pendant que n'a parlé de droit économique et politique diaspora. Il y a un changement qui fait dans la Constitution 1987 là et qui t'est servi de moteur pour permettre que une grande partie de la population accepte l'amendement sans que yo pas trop réfléchi sous lui. Je t'ai dit que l'amendement ça est important pour deux raisons. Un, parce que yo t'a pral bail et diaspora double nationalité. Et deux, parce que femme yo t'a pral joindre plus participation politique par rapport à question de quota 30%. L'important pour nous est que dans l'exclusion diaspora que médecin saute bien démontré là pour nous est sa femme yo représenter tout en dans diaspora par rapport à changement que yo t'a capoté dans la politique Haïti. Je dis yo parler pour affaire de 30%. Par exemple, article 31.1 demande pour parti politique yo refléter en dans directoire yo et en dans moun ki pral candidat yo 30%. Parti politique yo mande côté nous pral joindre femme sa yo. Parce que femme fait en pile action sociale du point de vue d'aka di comme activiste mais moins action politique directe. Et manque d'ouverture fait que même leur femme yo en dans y a mené activité politique mais pas qu'on gagne yon quantité femme qui pour arriver pour que ou garanti que et ça y a cherché que peut-être yo ka joindre non yon garçon qui habitué faire politique yo dou mesdames yo pas qu'on gagne et pratique ça. Donc dans réserve que diaspora représente pour pays hein? Dans le secteur femme, la diaspora représente une réserve qui est encore plus valable. Surtout pour les pays, côté que la femme a fait une pratique politique, une pratique d'exercice démocratique, une pratique de participation citoyenne beaucoup plus approfondi que femme qui en Haïti. Donc, c'est important pour nous souligner ça. Que l'on a parlé, pour nous, que l'on a parlé de Haïtiens, on a parlé de garçons, on a parlé de femmes tout. Donc, dans la diaspora, dans l'organisation que médecin en fait suggérer que pour une meilleure organisation qui fait là, donc nous avons besoin tout pour une meilleure organisation sous côté femme yo et pour que femme yo prête tout pour yo servir davantage dans le secteur politique là pour yo al rempli rôle yo en Haïti parce que le temps pour et le temps pour ta gagner plus filles en Haïti qui développer participation ça qui pour faire que ou vinn gagner capacité de représentativité pour un parti parce que parti a besoin gagner donc il dit que c'est monde qui plus capable pour le voyer aller donc yo senti que peut-être garçon yo plus capable donc dans sens ça diaspora représenter une réserve en plus dans réserve économique yo donc une réserve politique mais une réserve tout pour secteur femme yo donc li important pour femme yo garder sous l'angle ça tout. Donc, sous ces docteurs, ou est-ce tout comme docteur, mais ou est-ce tout comme femme qui est capable de remplir un rôle politique pour aider à combler les questions. Et avec un pile femme qui joignent préparation dans le secteur universitaire, qui pour penser sur les choses, nous avons besoin de l'autre vision pour approcher le problème femme. Donc, l'important
Lè ke nan panche sou kèsyon diaspora e ke nou pale de kèsyon ekonomik e kèsyon politik, ke fòm yo tou, pwiske isi te partikulyèman os Etats-Unis avèk nan lòt peyi devlopè, li pa evidant ke gon kèsyon de espas ke fòm fèt pou okupè. Paske nou wè, si mwen kapasite, e mbrale nan eleksyon, e ke mak met kom deyò pou mwenye. Donk nou komanse, fòm bo isi te komanse reflechi kon sa. Donc, nous besoin partage ça pour nous faire. Donc, l'important, mesdames, pour nous et garder questions comme ça et parler avec jeunes femmes surtout que et gagner un espace qui besoin rempli pour pays noir changer du point de vue de mentalité, du point de vue culturel, du point de vue famille, sous tout l'autre point de vue. Donc, voix femme, sa femme capotée comme femme, nous besoin support diaspora, diaspora sans réserve dans le domaine ça. Merci.